Et tout le monde, re-bienvenue chez I Am Here, c'est John. Cette semaine, on joue à Ciel Fledge, notre simulateur d'éducation, le simulateur de parentalité, où on a tout le nécessaire d'un bon parent, c'est-à-dire la feuille de caractère de notre enfant, comme en Donjons et Dragons, avec son poids, sa taille, son âge, son genre, pour s'en rappeler, son humeur, sa discipline, tout ce qui vient avec ça, son énergie, toujours le plus bas possible, sa spiritualité, son imagination, toujours le plus haut possible. On essaie aussi de monter son charme un petit peu, parce qu'on sait que un artiste charmant, ça vend plus, ça fait plus d'argent. Où on était rendu déjà? Où est notre enfant? Gros point, sur le balcon, évidemment, en train de regarder les étoiles. Quelque chose à nous dire? Je vais participer à une sortie scolaire d'ici le 10e mois, c'est ça? Voyons voir si j'aurais gagné assez de force et d'intelligence d'ici là. Honnêtement, encore une fois, notre but c'est pas qu'elle soit ni forte ni intelligente. C'est vraiment que ce soit une bonne enfant, bien artistique. Ben let's go, on fait son planning de la semaine sans plus attendre. N'hésitez pas à me dire aussi si vous aviez un planning la semaine que vous aviez vécu, ce serait quoi? Puis nous on va y aller pour le classique, hein? Méditation, cours d'or, cours d'université, repos, et juste le shopping qu'on va changer. On va aller faire du social avec des adultes. Encore une fois, Juno, le cuisinier qui a mieux à faire, on va le déranger pour bien se gâter. J'ai l'impression que c'est facile d'être parent, hein? Alimentation basique, méditation, j'ai compris le nécessaire, je pense. Un gros point, on passe un très bon moment avec Juno. La créativité qui monte encore, la sensibilité qui va être niveau 4 à un moment donné. Ah ouais, être niveau 4 avec Juno aussi. Je pense vraiment que c'est ce qui me rend le plus fou jusqu'à maintenant. Le fait qu'on peut directement aller parler avec des adultes quand on est un enfant. Je sais pas si c'est positif. J'aimerais ça qu'on sache l'heure aussi, parce que ça implique qu'on est dimanche. Ça implique qu'elle vit comme ça dans le milieu de la nuit, dans la cuisine, dans la salle à manger, dans la cuisine. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Est-ce qu'on change quoi que ce soit? C'était une autre belle semaine, c'était quand même efficace. Ça y est, à temps partiel. Ah, on y va. De toute façon, elle nous aime déjà pas, notre enfant. Ben oui, affection 0%. On va travailler temps plein, jusqu'à l'épuisement, rien de moins. Alimentation basique, ça serait nouveau. Let's go! Ah oui, ça c'est un visage de loading qui est pas mal motivé, que je comprends. Les aventures de gros points, où est-ce qu'on a une cinématique pendant qu'elle dort? Oh! Des nouveaux personnages? Excuse-moi, tu veux bien arrêter de me suivre comme ça? On va au même endroit. Non? Tu joues aussi aujourd'hui, j'en ai dit. Oh non, des musiciens! Nos pires ennemis, vu qu'on est un artiste! Oh non, je crois qu'on a perdu notre chemin. Demandons à quelqu'un. Oh non, pas des musiciens. Sinon, vous savez où se trouve la salle de spectacle? Par là, merci. En plus, le gars qui a une dent de requin, c'est les pires, ceux-là. Le gars ou la fille, en fait. La personne qui a une dent de requin, c'est les pires, ceux-là. Seriez-vous Mademoiselle Ivory? Oh, le seul et unique Mademoiselle Ivory. Vous n'êtes pas si féminine en personne. Pas besoin de me vous voyez. Appelle-moi Ivory. J'ai hâte de te voir dans tes émissions. J'adore te voir à la télé. Oh, c'est une actrice? X Barnabé ne connaît pas le coin, donc on avait perdu notre chemin. Je suis genre pas né ici par hasard. La fille à la guitare, c'est ta petite amie? Hélène, non, pas du tout. Mais c'est une guitariste très douée. Allons-y. Oh non. Ça y est, ils vont faire diverger du droit chemin. Ma chère gros point. Complice d'Ivory, copine d'Hélène. Ah oui, c'est ça, ces deux filles comme ça, qui sont meilleures amies. Certain que ça va toute la corrompre. Elle va vouloir devenir guitariste. Ou pire encore, actrice au lieu d'être peintre. Ça serait terrible. Tiens, on va aller jaser un petit peu. Petite jasette du soir dans ma chambre. Rien à dire. Continue comme ça. Si je regarde tes techniques, c'est spécial encore. Hein? Dropkick, le classique. Excellent encore, mais on continue comme ça. On change pas une recette gagnante. Oh non, il y a 3 jours de vacances! Faut qu'on s'adapte. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire école publique cette semaine. On y va pour les dépenses. On va y aller pour mon travail. On va changer. On va y aller avec gâté. On va faire une grosse semaine. En prenant pour acquis que pendant ses vacances, elle va pouvoir faire du social. Oh non! Terrible! Qu'est-ce qu'on peut faire pendant les vacances? On veut des trucs de rien?
Repos. 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 C'est un petit coup d'école publique. Une petite journée sociale avec Juno. Est-ce qu'on a quoi que ce soit à gagner avec les autres? Je sais pas non plus. On pourrait peut-être déranger Amira à la place. Ah, on s'en rend alphabétique en plus. Oui, c'est ça. Et on va déranger la travail sociale aujourd'hui. Le classique des enfants populaires, ça. Oh non, c'est la propriétaire du magasin de linge, Sylvie. La boutique est blindée aujourd'hui. Je me demande si c'est grâce au bracelet qu'il va y apporter lors de sa dernière représentation. C'est l'acteur, actrice. Je vais bientôt fermer. C'est encore tôt pourtant. Je prends les bracelets exclusifs. Des bracelets, je peux les voir, bien sûr, viens là. On lui donne un coup de claque, là. C'est la première fois qu'elle fait un visage quand même surpris. Ça fait toi-même, ma tante qui les fait, elle m'a appris comment les faire. Du coup. Ouais, tu trouves ces perles? On les trouve qu'à la surface. Ça semble tellement de l'or. Les fameuses perles de la surface. Un cours de travaux annuel, j'ai vu que c'était dans la liste des cours aujourd'hui. Les conditions sont strictes. Ce serait pas si mal si ça peut donner un petit peu de savoir-faire. On peut rentabiliser ça. Grosse semaine avec la travailleuse sociale. Qu'est-ce que ça nous dit? Force, intelligence, tout ça. Yes. On est au niveau 3 avec la travailleuse sociale. Petite rencontre avec Ivory. Niveau 2 terminé avec Zara. Excellente nouvelle. Parce qu'encore plus important qu'être artiste, c'est de déranger les adultes. Et on va la gâter comme il faut. Alimentation basique, école publique, école d'or, école publique. Social, quel adulte on dérange cette semaine? On va aller. Est-ce que ça pourrait m'aider dans une optique de. On va m'ajouter une journée d'or, je crois. Tiens. Est-ce que Sylvine, c'est ma voix pour pouvoir devenir manuel? Rentabiliser la vie de gros points. On regarde ces statuts bizarres juste pour écrire des dossiers. J'espère qu'on pourra faire les nôtres le plus tôt possible. Ils sont dangereux, c'est nul. Bon sang. C'est une leçon importante que t'as appris aujourd'hui. Richesse d'imagination niveau 1, maîtrise la créativité 1. Oh yes. C'est exactement ce qu'on veut. Sans dormir, je vais avoir pensé à Sylphine toute la journée. Créativité niveau 2, enfin. Trop nice. Cours de danse et cours de dessin. Oh, cool! On va aller regarder vite vite notre arbre. Ça dit quoi? Arbre de croissance? Non, c'est peut-être pas la... Est-ce que c'est ça? Statue? Secondaire? Qualité? Ah, plus de charme pendant les batailles. Mais ce que je veux, c'est savoir où est-ce qu'on voit déjà les différentes voies disponibles pour notre enfant. Ah, c'est progression ici. Donc, qu'est-ce qu'on a? Nos cours de danse. Cours de cuisine, que ça débloque, les leçons de chant, cours de théâtre. Ah, éducation civique, c'est ce qu'il nous faut. La chorale, la coiffure. Parce que là, on a la méditation qui est à part. On a les cours d'art. Le ménage, qui va être super important. Nous, ce qu'on veut, c'est vendeuse esquisse. Donc, on est sur la bonne voie. Pour devenir... artisan de peintre. Actrice de fond, ce serait bien aussi. Hein? Qu'est-ce qu'on a vu qui payait bien? C'est ça, c'est chanteuse de fond. 280, groupe d'artisanat. Artisanat 2, dessin 3, créativité 5, cours de dessin et leçon de géométrie. Oh non! Ça veut dire qu'il faut avoir des cours d'arithmétique. Enfin, on va continuer à travailler jusqu'à l'épuisement comme ça. Parce que c'est ça qu'il faut. Oh yes! Oh non, la danse, ça coûte si cher! Et c'est tellement épuisant! C'est un petit peu de social, un petit peu d'or, un petit peu de dessin. École publique, repos. Petite semaine épuisante, mais petite semaine bien méritée. Et on va les déranger encore. Juno, rien de moins. Le 22 en Thérèse, 37-16. Oh, direct une cinématique. Oh non. Pas la guitariste. Ah, Hélène, t'as fait tomber quelque chose. Oh non, gros point. Pas une rencontre comme ça. Merci. Il porte toujours cette chose sur son dos. Une guitare. On va curieuser à chaque fois. Non! Tu viens de dire ce que c'est? Une guitare. Sympa. T'es musicienne? Pas vraiment. Compliqué à expliquer ça. Hein? Tu peux peut-être pas avoir honte, Hélène. On le sait que t'es pas payée pour faire ta musique.
Je vais être en retard. Oh non, tu dirais que c'est de la faute à une enfant un peu mêlée. Je suis curieux au sujet de cette guitare. Mais je comprends. Qu'est-ce qu'elle a dit déjà? Mais en gros point. T'as pas internet dans ton pays? Oh damn, une rencontre. Une bataille mentale, pas de violence. Oh yeah. Le classique combat, on se rappelle. Le but c'est de faire des triplés. On gagne des joutes. Ça nous marque victory, puis après ça, il y a un gros truc qui nous dit « Vous avez rien gagné du tout. » C'est exactement ce qu'on voulait voir. Ce qui est probablement ce qu'elle va voir toute sa vie en étant artiste. Mais, avec de la chance, le monde va se rappeler d'elle après sa mort. Exécuter un brelan jaune calmement. Ah, là c'est rouge. Victory. Rien obtenu. Pas simple la vie d'enfant de 10 ans. Résultat de la semaine, social, dessin, rien d'autre. Oh non, on va tellement être éduqué de façon spécifique. Ça va être infernal. J'ai déjà hâte de voir. Capacité, maîtrise du dessin, blablabla, bla, bla. On n'a pas besoin de savoir ça comme étant parent. On va aller voir notre enfant sur le balcon quand même. Salut, tu regardes les étoiles? Grosse vie, hein? Toujours des journées de vacances, c'est pas simple d'être un enfant. Ah, le plus de stress, une autre excellente nouvelle. Moi qui pensais qu'il passait du temps avec Juno à chaque vendredi, ce serait une bonne façon de pas être stressé. Ça veut dire que je pourrais toujours la faire se reposer, puis juste la gâter en fait, comme ça on serait super proche. Mais c'est pas ce qu'on veut. On veut qu'elle ait un caractère. Qu'elle soit heureuse. En faisant exactement ce qu'elle aime, c'est-à-dire exactement ce qu'on a choisi pour elle la première fois qu'on l'a vue. Cela a causé un scandale. Qu'est-ce qui a causé un scandale? À une époque, l'humanité pénalisait les élèves, c'est utilisait le mot humanité. Ok. Becky, réveille-toi! Réveille-toi, Becky, tu manques d'humanité. Oh, le lancer de craie! Bon sang. C'est moi que la travail sociale menace. Ça a provoqué une guerre. Facultative! Faut pas dire ça, c'est les matières les plus le fun, ça. Oh, c'était juste ça comme cinématique. Cool. Je me rappelle pas tellement du moment où j'avais 10 ans, mais... C'est un bon résumé quand même de la vie d'un enfant. L'arbre de croissance de niveau 5 avec Juno est complété! On va aller voir si gros point a quelque chose à dire à propos de ça. Et non! La même chose à dire que d'habitude. On s'arrête pas là, on continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour l'instant, on peut toujours pas travailler. On va faire un petit cours de gymnastique, je crois. Ah non, un bon petit cours de méditation. Juste pour bien commencer la semaine. Un petit si mal, ça. Tiens, il va le tout pour le tout. Si elle tombe malade, elle tombe malade. Comme tout bon parent dirait. Tiens, on a bientôt 10 000 $. Elle est maintenant plus sensible. Hein? Plus de social, plus de dessin. Encore plus mais avec Juno. Très cool ça. J'aime bien. Tiens, on s'en fait une petite dernière. On va y aller pour le risque pour aujourd'hui. On va y aller. Travailler jusqu'à l'épuisement. Évidemment, et de moins. On va la nourrir trop. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est épuisement ça, je crois. Repos, repos. Ah oui, c'est vrai, commencer par la méditation, c'est jamais une bonne journée. On va y aller pour un petit cours de danse pour commencer la semaine. Ça augmente la force, la danse. Tant mieux. Petit cours d'arithmétique. École publique. Qui monte tout en même temps. Ça a l'air que c'est la façon de se faire des amis. Je crois pas que ce soit comme dans la vraie vie. Cours de danse. Oh! C'est l'acteur ou l'actrice qui nous fait le cours. J'ai encore du mal avec le rythme, est-ce que je vois? Je pige que dalle cette sorte de rythme. Voyons, yes. Je croyais que t'étais habitué à une sorte de rythme, yes. Les habitants de la surface dansent souvent au festival, mais pas de façon chorégraphiée. C'est quoi, c'est des sauvages? Je pense que c'est ça, hein. Petit côté un peu bestial. Oh, une rencontre tout seul. Bataille de style. Oh, c'est un dance-off contre quelqu'un. Notre premier, faut pas qu'on se ridiculise, c'est du hip-hop dans la street. Donner des points en rythme. Le minigame que tout le monde attendait.
on est loin du compte, par exemple. Hey! Est-ce que ça veut dire qu'il faut que je fasse tourniquetis? Puis un dropkick? Oh, je peux pas en faire. C'est une erreur. Dropkick? Je crois pas qu'on va être assez fort. Il reste 5 secondes. Jamais tu seras assez fort pour me battre à la danse, petite. Oh non, on a été défait. Est-ce qu'on va se faire taxer? Tous les enfants du quartier vont rire de nous parce qu'on n'est pas capable de faire du hip-hop. J'ai essayé de faire le vert. Et on a fini à l'envers. Mais de toute façon, l'important, c'est de participer. Hey. Notre social qui nous réveille en cours de maths. Ah, c'est tout? Tant mieux. Oh! Le fantôme des couloirs de l'école publique. Oh non, Juno, qu'est-ce que tu fais à l'école? Vous allez assister à un cours, vous aussi? Je pense que tu peux le tutoyer, rendu là. C'est des gros points, non? Je ne suis à aucun cours. Qu'est-ce que vous faites ici? Je donne cours. Cours de cuisine? Pas vraiment, mais bon, on peut dire ça. Vous enseignez quoi? La cuisine. Oh yeah! La cuisine, un cours de cuisine? Je savais pas qu'il y avait des cours de cuisine. Là, ça se fait que je n'étais pas au courant. Je pourrais apprendre à cuisiner un giga au marron à votre cours. Ha 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 ha. Tu vas devoir remplir cette consomme pour t'inscrire. Je pense que quand t'auras plus que 10 ans, peut-être que ce sera pas si mal. Hey! Hey, gros point, attends! Pas grave, être de bonne humeur, c'est le principal. Tant mieux. L'attitude. De toute façon, ta voix à chaque vendredi. Donc, pas de problème. Une autre belle semaine d'accompli. Désormais, niveau 7 d'amitié avec Juno. Tant mieux. On est même pas aussi amis avec les personnes de notre classe, donc quand même, c'est pas peu dire. Mais c'est un bon résultat, on est rendu quelle date avec tout ça? Les Bételgeuses, puis c'est le premier de Cani, je crois. Il faut être prêt pour aller sur Terre, quelque chose du genre. Oh non, il va falloir qu'on mette un rush dans son intelligence, ce sera pas drôle. Et c'est parfait, en tout cas, on va arrêter là pour cette semaine. Je vous souhaite à tous une excellente journée. N'hésitez pas à marquer en commentaire ce qui s'est pas bien passé cette semaine, mais j'espère qu'il n'y a pas eu trop de problèmes de votre côté. Puis je vous dis à la prochaine. Allez, bye!